Il fait chaud, sous le drapeau et le soleil au zénith, la solution, un bon plongeon. Bien, bien, c'est magnifique, ouais. Vous venez ici pourquoi ? Avec les enfants, pour jouer, pour amuser. Ouais. Se rafraîchir aussi ? Oui. 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 Ça fait du bien ? Oui. C'est chaud, hein ? Oui, c'est très chouette. 30 à 33 degrés, une ambiance tropicale pour une fois à l'extérieur de la piscine. C'est trop difficile pour rester en appartement, alors on s'est dit on va prendre un peu l'air. Et à Bruxelles, il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs avec la piscine à l'extérieur, donc on s'est dit ici que c'était pas mal. Et là, on va faire une petite course. Ok, bah, bonne chance. Hein. Merci. Mais en dehors de l'eau, à cause des fortes concentrations en ozone, tout effort physique est déconseillé. Alors, comme l'explique Julien, un peu seul en stage vélo, des précautions s'imposent. Une casquette et des pommades. Voilà, hop, on pédale plus. Encore, c'est pas grave, vas-y, essaye à l'autre. Voilà, hop, on pédale plus. Voilà, bien loulou. Allez, quasi prêt pour le Tour de France, mais l'idéal, éviter toute exposition intensive, préférer l'ombre, pas toujours de tout repos. Non, tu t'es trompé. C'était entre Jojo et truc. À chacun de s'adapter, demain il fera plus chaud et orageux avec probablement un pic d'ozone avant une chute des températures. En attendant, le SL a des airs du sud de la France.